n'a gain chance approfondie ça dans l'église là nous relé mariologie. Mariologie c'est en branche dans théologien qui occupé de mystère la vie Marie comme maman bon Dieu, comme la Vierge, comme maman l'église, comme maman nous toutes. Donc, on branche dans la théologie occupé de ça seulement. Tant qu'on branche dans la théologie occupé de Jésus-Christ seulement, il y aurait sa christologie. On branche dans la théologie qui occupé de l'Esprit Saint, il y aurait sa pneumatologie. Eh bien, on branche dans la théologie qui occupé seulement de la très sainte Vierge Marie que nous relais mariologie. Donc pendant 9 jours ça y est, c'est seulement de mariologie m'a parlé, c'est pas de l'autre causé. Pour aujourd'hui, nous pral garder un petit crasse premier élément. Premier élément m'vle approfondir avec nous, c'est Marie de Nazareth à Cana. M'bra l'expliquer nous qui sa thème nan vle di et comment m'bra l'entrer la donne ensemble avec nous. Normalement, le nom parle de Marie de Nazareth à Cana, nous vle parler de côté li vive jusqu'à ce que nous arrivions dans le premier miracle que Jésus te fait à Cana en Galilée, côté Marie lui-même l'ité là. Donc c'est ti ça nous pral faire, mais avant nous entrer tout bon vrai en dans causer premier thème nan, gen quelques petites informations pratiques moi ta doué ban nous de façon nous ta ka retenir yo, et puis les n'a parlé à moun ou bien encore les nous besoin quelques points de repère nan tête nous n'a joine yo. Donc Marie yo pa parlé en pile de li nan la Bible la, et surtout nan Nouveau Testament. Si ou prend tout Nouveau Testament, non Marie li vini seulement 19 fois. Il pa vini plus que 19 fois. Si ou te vle comparer ça ou ta pouwe que non David par exemple vini à peu près 900 fois, non par exemple, Abraham vient à peu près 300 fois. Non, Jacob, par exemple, vient à peu près 700 fois. Donc, si tu veux faire une comparaison comme ça, ou tu que non, Marie, il n'est pas venu en pile dans la Bible. Et pourtant, présence Marie dans la Bible, elle a une signification extrêmement importante, et c'est peut-être ça justement là on parle de Abraham ou pas gain on doctrine sur Abraham, là on parle de David ou pas gain on doctrine sur David, tandis que là on parle de Marie gain on doctrine sur Marie. Ça c'est première information moi te voulais ban nou. Deuxième information me dévelé ban nous, le n'a parlé de Marie. Faut nous connait information nous joindre dans la Bible, li pas suffit pour nous ta faire ça nous ta carrelé dans langage technique, yon biographie. Ça veut dire nous pas calé écrire la vie Marie pour nous dire mais qui jour te fait, mais qui joul te mouri, mais qui joul monte dans ciel. Non, information ça yo, si nous besoin yo, nous pas joine yo dans la Bible, parce que la Bible là li pas bay yo en tant que tel. Ça c'est deuxième élément. Troisième élément, même si nous pas joine information ça yo direct dans la Bible, ça pas veut dire que l'église là depuis le commencement li pas prend temps pour li fouiller jusqu'à ce qu'elle joigne comment Marie lui-même place li occupé dans histoire nous, dans histoire salut, dans la vie Jésus, place ça tellement important que depuis le commencement, yo te al fouiller tout dans la vie Marie. Et donc c'est ça qui expliquait que Marie gen on place à pas dans la vie l'église là.
place Marie gagnée, lui tellement à part que normalement après Sainte Trinité, c'est Marie ou joindre. Il pas entre dans Sainte Trinité, il dehors Sainte Trinité. Mais Marie nous connaît, lui placé plus haut par ses anges et le passé plus haut par ses autres saints. Et ça fait culte Marien, li ba yon culte spécial, nous relé culte marial. Et culte marial là, eh bien li gen on non tout. Non savé yo employé a, c'est culte hyper du lit. Hyper du lit, on veut dire c'est un culte qui pi wo passé l'autre yo, parce que hyper là en grec li veut dire maxima, li vle di piwo, li vle di en les net. Donc, meti information pratique, nous vle ban nou sou Marie, avant direct, nous entrer nan koze nou pralé a. Mais gon lot ti bagay mwen vle ajouter. Mwen sot di que dans la Bible là, nous pas joine information pour nous ta fayon biographie de Marie, mais pourtant malgré tout, la vie Marie nous gagnons quelques informations sur lui qui sorti dans la Bible et quelques autres informations qui pas sorti dans la Bible. Gagnons un document qui écrit au 2e siècle. Il y aurait lu le Protévangile de Jacques. Protévangile de Jacques. Protévangile là, livre dit premier évangile parce que protos en grec veut dire premier. Donc premier bonne nouvelle, premier évangile. Donc alors, c'est pas un texte qui dans la Bible la Protévangile de Jacques Laye, mais c'est un texte qui va nous bonne information sous Marie et c'est grâce à lui gien bagaille jodi a nous connaît. Si m'ta mande nous comment nom maman Marie rele, qui est-ce nous t'a dit? Qui est-ce nous t'a dit? Nous t'a dit Anne. Et si m'ta mande nous nom papa Marie, qui est-ce nous t'a dit? Nous avons dit Joachim. Et nous avons seul fait pour Anne ensemble avec Joachim. Pas vrai? Eh bien, qui côté nous jouons non Anne avec Joachim? Eh bien, c'est en dans Protévangile de Jacques. Si ce n'est pas ça, nous ne pouvons jamais gagner information. Et c'est en dans Protévangile de Jacques tout, nous connaissons que Marie n'est pas faite Nazareth, mais elle est faite de préférence dans la zone Jérusalem. Et que c'est là li te fait et que c'est là le semblé ta mouri tout. Donc c'est pour l'évangile de Jacques qui ba nous toute information ça yo. C'est pour l'évangile de Jacques tout qui fait nous connaître par exemple que Marie eh bien li ta vive à peu près 70 ans. Et ben dans la Bible là nous joignons ni toujours dans document m'a parlé nous qui relé pour l'évangile de Jacques. Donc Jacques ça li ta semblé Jacques, le frère du Seigneur, selon ça nous joigne non seulement dans les évangiles, mais aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Nous pas prêter sous ça, parce que c'est de Marie nous voulons parler seulement, nous pas entrer sous l'autre personnage. Yo. Donc, somme avec Frémio, gen un bagay pour nous retenir. Le n'a parlé de Marie, gen deux types d'informations. Yon pati information qui sorti dans la Bible, yon pati information qui pas sorti dans la Bible. Ça faut li clair pour nous. Ça c'est un. Deux. Le n'a parlé de Marie tout. Gen on bagay pour nous pas oublier. L'église là pas jamais parler de Marie pour Marie. L'église là parler de le n'a parlé de Marie tout faut nous connaître l'église là pas parler de Marie pour lui-même lui parler de Marie pour tête Jésus-Christ et toute importance Marie gagné c'est à cause de Jésus-Christ donc ça veut dire nous-mêmes sommes avec frère Mio piga détacher Marie de Jésus petit lui si nous fait ça c'est un gros erreur n'a fait pas
prend Marie pour compte lui. Marie toujours marré avec petit lui Jésus. Et c'est à cause de Jésus petit lui que nous gagnons tout ça, nous gagnons de Marie. Ça fait deux. Trois. Pour Marie gagner quatre dogmes dans l'église là nous définit. M'a parlé nous de chaque youn après l'autre durant série intervention ça yo. Premier dogme yo défini sous Marie, c'est la maternité divine. Yo relé ça théotokos. N'a parlé de ça, nous pas besoin même si nous tendez mot à gros, n'a connait de fil en aiguille. Premier dogme ça l'église l'a défini sous Marie, li fait au 5e siècle. Après ça, il y a un deuxième dogme, yo défini sous Marie, c'est la virginité perpétuelle de Marie que pape Martin Ier t'a défini directement au 6e siècle. Nous gain pour nous parler de ça. Après ça, nous gain un troisième dogme qui défini sous Marie, c'est son immaculée conception qui fait au 19e siècle. Et quatrième et dernier dogme qui définit sous Marie, l'y fait au 20e siècle et c'est normalement l'assomption de la très sainte Vierge Marie. Alors, nous allons faire un panorama dans la mariologie. Quand il y a tout coup, avant de finir, nous faisons parler de Marie à l'intérieur de la Bible. Ce n'est pas dehors la Bible. Et c'est lui-même qui traitait de Nazareth à Cana. Moi fin parler nous de la personne de Marie et me dit nous tout rôle importance li gagne c'est à cause de Jésus son fils et me dit nous yo cité nom Marie 19 fois dans la Bible surtout dans Nouveau Testament même pas parler de préfiguration de Marie nous joindre dans Ancien Testament ça c'est une autre étude n'a rentré la donne on l'autre là. Donc Marie nous connaît eh bien li te vive à Nazareth en premier. C'est là li levé Jésus ensemble avec Marie li qui c'est Joseph. Donc Marie vive à Nazareth. Qui qualité la vie Marie te gain à Nazareth même Jean nous joigne en dans la Bible. Yo dit nous que Jésus après 12 ans nous pas connait qui ça li te fait du tout jusqu'à ce que li commence la vie publique li eh bien c'est de même Marie tout nous pas connait pendant temps ça tout qui ça li t'a fait ça veut dire que autant que Jésus gain en vie privée autant que Marie gain en vie privée donc toute vie Marie li orienté vers deux moun, li orienté vers Joseph et li orienté vers Jésus petit li. C'est dans sens ça nous ka comprendre que depuis ou parler de Marie, c'est pour deux autres personnages yo intervenu quand même. Vi nous prend premier côté, nous joindre Marie en dans la Bible qui c'est d'abord dans généalogie de Jésus. Nous jouons une généalogie de Jésus dans deux l'évangile. Nous jouons dans l'évangile Saint Matthieu, dans chapitre 1. Nous jouons dans généalogie de Luc, dans chapitre 1. Donc, dans tout de l'évangile, ça y est, yo dit nous, mais comment côté Jésus lui-même l'y sorti. Yo dit nous que, eh bien, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, dont Jésus est né. Donc, il n'y a pas dit nous que c'est Joseph qui fait Marie enceinte et qui fait Marie fait Jésus. Il a dit nous, Joseph c'est époux. Marie le teye, mais c'est Marie qui fait Jésus pour contre lui. Et Saint Luc dit l'Esprit Saint te vini couvri Marie pour œuvre ça t'es capable rivé réaliser.
Donc, c'est avec Frémio, ça nous doit comprendre, je vais finir la première intervention, ça nous doit comprendre, c'est que dans la première information que nous avons de Marie, il a déjà présenté nous Marie tant qu'il y a un monde qui lui-même, c'est maman Jésus, non pas tant que toute fille fait petite, mais en façon spéciale. Mais comment ça fait fête? C'est Saint-Luc qui va l'expliquer nous ça. Non, l'évangile parle là, nous toujours dans chapitre 1. Dans chapitre 1, dans sa nourrile annonciation, nous jouons que Marie recevra annonciation dans main l'ange là. Et puis l'ange l'an dit, li pral fait un petit garçon, et puis l'après le noni Jésus, c'est lui-même qui a sauvé toute l'humanité, et cousine ni Elisabeth, lui-même tout, li enceinte. Donc dans l'annonciation, nous jouons, yo déjà dit Marie, que ce n'est pas en affaire, la pas en affaire avec Joseph, pour lui capable enceinte. Donc voilà. Nous jouons deux côtés, nous parlons de Marie déjà dans la Bible, dans chapitre 1, livre Matthieu, dans chapitre 1, livre Saint-Luc, et puis nous, là-dedans, nous avons une bonne précision qui permet de nous comprendre l'importance du mystère Marie qui va le développer. Ça a fait deux. Mais si nous voulons continuer toujours, nous capables de garder Marie qui a visité cousine Elisabeth, ça c'est dans chapitre 2, l'évangile Saint-Luc nous joigne, et là nous pral joindre, c'est là nous pral gagner, ça nous relait magnificat là, en tant que tel. Nous pas pral entrer en dedans causer ça yo à fond, n'a pas gain temps pour nous approfondir demain si Dieu veut. Mais là nous rive dans Jésus qui fait premier miracle, ça veut dire à Cana en Galilée, nous joigne premier côté Marie lui-même lui parler direct à Jésus. Non, côté nous te joindre Marie déjà yo, lui pas parler directement à Jésus, lui pas en rapport directement avec Jésus. Nous te joindre par exemple, lui était en rapport ou bien avec Joseph ou bien était en rapport avec Élisabeth. Tandis que dans chapitre 2, l'évangile Saint Jean, côté yo raconte nous premier miracle là qui c'est miracle à Cana, nous joignent Marie en rapport direct avec petit li Jésus. Et c'est là Marie pral jouer premier rôle fondamental li en dans l'histoire du salut, parce que li pral faire une première intercession qui pral permettre que nous mêmes fidèles chrétiens, nous mêmes catholiques, nous pral confier nous à Marie, même Jean moun marié yo yote confié yo à Marie. Donc alors de Nazareth à Cana, nous joignons yon mari qui totalement orienté pour lui faire volonté bon Dieu, tant que nous ouais ça dans chapitre 1 Saint-Luc. Et deuxièmement, nous joignons yon mari totalement orienté vers son fils, qui écoute son fils et qui écoute aussi les autres. Donc mais deux éléments nous ka retenu jodi a dans premier enseignement ça. Premier enseignement ça, c'est avec Frémio, c'était pour mettre nous en appétit, pour te montrer nous comment nous capables approfondir mystère Maria. Demain si Dieu veut, nous pral continuer dans la Bible en toujours pour nous prendre information la Bible en bas nous, pour nous capables interpréter information ça yo de manière à ce que nous saisissons directement que nous-mêmes catholiques, là n'a parlé de Marie, nous pas seulement n'en voyer monter, mais n'a dit bagaille qui chita, bagaille qui rationnel, bagaille qui solide, bagaille qui gagne nom, bagaille qui gagne en pile importance, qui gagne en pile poids. C'est surtout ça qui est important pour nous retenir. Alors pour aujourd'hui ensemble avec Frémio, on était content venir faire ti causer ça avec nous. Sous Marie, n'a fait ça chaque jour pendant 9 ans de façon pour les 9 ans fini, nous ka dit tête nous non seulement nous pi avancer nan konnen Marie comme maman l'église, maman bon Dieu, maman nous, mais pour nous dit tout nous avancer nan qualité relation personnelle n'a développé ensemble avec maman nous chéri, avec lui même nous konnen nous gon disons. Merci en pile, passez bonne fin de journée et puis bonne célébration.